Une bonne journée pour une nouvelle vidéo. Bonjour, ici GeekTech et aujourd'hui, nous allons parler d'une nouveauté Instagram. Une mise à jour IGTV qui permet aux youtubeurs, producteurs et pour tout le monde à télécharger des vidéos qui sont longues, de plus d'une minute et jusqu'à 15 minutes on va dire. Alors restez jusqu'à la fin pour voir, qui est très important, surtout si vous voulez promouvoir votre produit sur vos réseaux sociaux, que vous tenez à jour des nouveautés, les caractéristiques que vous devez assurer et que vous êtes les premiers à prendre avantage de l'information quand elle arrive. L'une de ces caractéristiques étant IGTV et une extension Instagram. Maintenant les amis qui me suivent, c'est avant plus de YouTube que j'utilise Instagram souvent pour apporter une nouvelle audience. Je l'utilise également pour générer du trafic vers ma chaîne YouTube en tant que YouTuber. Cela étant dit, vous savez que je vais toujours chercher les mises à jour et voir s'il y a quelque chose que je peux prendre. Avec plein d'avantages, et c'est certainement une plateforme que je vais m'amuser à utiliser avec l'application Instagram qui est plutôt intéressante. Et une fois que vous voyez cette procédure pas à pas, vous allez prendre goût à travers la réalisation et à quel point vous pouvez faire des vidéos amusantes et professionnelles. Et surtout de décider de sauter dessus maintenant. Nous allons aller de l'avant et faire une découverte rapide à travers. Allons sur mon téléphone portable, d'accord ? De sorte de vous montrer la façon d'utiliser IGTV qui est assez simple. Vous pouvez voir que j'ai déjà mis à jour Instagram par cette icône particulière qui est dans le coin, qui est l'icône IGTV. Maintenant, si tu ne vois pas sur ton Instagram cette icône, faites une mise à jour de vos applications si vous utilisez un Android, bien sûr, qui va être sur votre Google Play. Maintenant, une fois que vous cliquez sur Instagram, comme je l'ai déjà fait ici, vous verrez une option qui dit « Mettre à jour maintenant ». J'ai déjà mis à jour le mien, évidemment. Je ne vais pas le faire à nouveau. Mais une fois que vous faites cela, allez-y et cliquez sur ouvrir. Une fois que vous cliquez sur ouvrir, vous allez voir cette icône ici dans le coin. Cliquez dessus et vous devez accéder à IGTV. Maintenant, j'ai pris l'initiative d'avoir réellement leur application que vous pouvez avoir séparément d'Instagram. Bien qu'il soit encore lié à votre Instagram et essentiellement accéder à votre store, téléchargez-le et ouvrez-le. Et une fois que vous installez l'application, vous verrez à peu près qu'il a la même option que vous trouvez là dans votre Instagram. Mais c'est bon de savoir qu'il y a une autre application pour le cas où vous voulez l'utiliser et y accéder à partir de là. On va revenir à Instagram. Une fois que vous êtes de retour dans Instagram, on va voir cette icône et vous cliquez dessus. Puis vous pouvez aller de l'avant et parcourir quelques suggestions de contenu que Instagram suggère pour vous. Le prochain, on a les gens que vous suivez sur Instagram. Bien sûr, quiconque publie une vidéo dans son canal particulier. Parce que vous devez créer une chaîne actuelle pour votre Instagram afin d'avoir accès à la TVIG, ainsi à toutes les caractéristiques. L'onglet suivant, il y a évidemment un onglet populaire qui propose plusieurs personnes populaires. Et la prochaine option est de continuer à regarder. Si vous avez regardé les vidéos que vous avez à peu près vues à gauche de votre dernière session. Maintenant, pour télécharger une vidéo super facile, cliquez ici sur votre icône, puis cliquez sur ce bouton plus. Maintenant, j'ai déjà fait une vidéo qui est spécifiquement pour ce format, et quand je dis spécifiquement, ce que je veux dire, c'est que vous devez vous assurer que cette vidéo est verticale pour Instagram, que vous puissiez évidemment la regarder sur les stories et voir qu'il a sa propre taille. La taille est en 1080 par 1920, donc en gros, vous renversez simplement le paysage de vos vidéos. Comme j'ai déjà préparé une vidéo spécialement pour cet exemple, une fois que vous allez de l'avant et sélectionnez votre vidéo, vous pouvez mettre un titre à volonté. Mettre bienvenue chez GeekTech. Nous pouvons mettre une description. Puis une fois que vous avez terminé, vous avez la possibilité de faire en sorte que l'article soit visible sur votre page Facebook. On ne va pas le faire ici. Donc nous allons juste aller de l'avant et l'afficher spécifiquement sur notre Instagram pour vous. On peut voir que la vidéo fait presque une minute. Vous pouvez aller dessus et la prévisualiser. Comme vous pouvez voir, nous avons téléchargé une vidéo pour plus d'une minute. Ils vous permettront d'avoir essentiellement entre 15 secondes et 10 minutes de vidéo que vous pouvez télécharger. Maintenant, à partir de là, je suis sûr qu'il y a d'autres niveaux qu'ils ont créés pour les gens qui ont une plus grande quantité de followers et vous serez en mesure de télécharger éventuellement une heure de contenu. Mais pour le moment, c'est définitivement quelque chose que vous devez regarder
et quelque chose que je vais certainement profiter pour la réorientation de mon YouTube, spécifiquement sur Instagram, afin de faire profiter tout le monde, comme vous pouvez le voir. Il est super facile à installer, vous n'avez pas à utiliser l'autre application qui vient avec. Vous pouvez l'utiliser directement à partir de votre Instagram. Qu'est-ce que je peux suggérer quand vous l'avez? D'abord faites une vidéo d'accueil pour faire quelque chose qui est à peu près différent pour votre public, qui sait que vous l'utilisez et que vous faites découvrir votre Instagram. N'utilisons pas ce supplément plateforme que pour mettre en avant votre contenu, mais également pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité comme il vient d'apparaître. C'est l'occasion de prendre une nouvelle voie et montrer aux gens un autre côté de vous. Comme vous pouvez voir dans cette nouvelle vidéo, que je viens de télécharger est juste le fait d'être moi-même. Moi, juste drôle et accueillant, pour que les gens puissent regarder plus de vidéos. Et je vous suggère de faire la même chose. Je ne pense pas que vous avez besoin nécessairement des 10 minutes dans les médias. Je pense que c'est important de faire un petit test, un petit message, quelque chose que vous aimez utiliser, et ensuite étendre progressivement le temps de votre vidéo. Au fil du temps, ça va être très important que vous commenciez à le faire. Assurez-vous que vos vidéos sont verticales pour le dimensionnement sur le téléphone portable et être sûr que ce soit en haute définition. Une fois de plus, qu'il y ait de 1080 par 1920. C'est le retournement du format paysage. Et assurez-vous de poster des choses qui sont en fait très intéressantes, qui pourraient faire que quelqu'un veut rester sur leur téléphone aussi longtemps pour regarder vos vidéos, comme dans tous les médias sociaux, soit regardé et attrayant. Et regardez les vidéos des autres, voir comment ils l'utilisent certainement. Allez suivre quelqu'un comme Inbox Therapy, parce que vous savez qu'il teste les derniers produits high-tech. Et je pense que vous devez certainement aller suivre quelques personnes qui l'utilisent, qui sont très créatifs. Profitez de ce droit. Maintenant, n'attendez pas des mois. À partir de maintenant, profitez et utilisez-le également. Car il n'est pas fait que pour les stars populaires. Profitez de cela dès maintenant et deviens un leader au sein de cette plateforme. Simplement parce que vous étiez l'un des premiers à l'utiliser. Pour que vous puissiez certainement vous amuser. Et s'il vous plaît, suivez ma chaîne YouTube et Instagram et dites-moi ce que vous en pensez. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.